اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Quand c'est un wudu, on a un pansement sur le visage. Lorsqu'on se lave le visage, on peut passer sur le pansement, on doit le retirer. Si le pansement, on ne doit pas l'enlever, on ne peut pas le retirer. Maintenant, si le pansement, on peut l'enlever, on peut faire passer l'eau. Donc ça veut dire que le pansement Ada, il est en plus. Donc Ada, tu dois mettre l'eau partout. Mais si c'est un pansement sur une plaie, tu ne peux pas enlever le pansement. Ça veut dire qu'il est sur la plaie. Ça veut dire que tu essuies un peu doucement sur le pansement, comme a dit Cheikh Ibn Taymiyyah et beaucoup d'autres. Quoique Cheikh Al-Albani dit, on n'essuie pas. Cheikh Al-Albani dit, on n'essuie pas. Il dit, tu fais le wudu normalement, et à cause de l'endroit où tu l'as pas touché, tu fais le tayammum. Tu joues entre le wudu et le tayammum. Certains ont dit comme ça, et certains ont dit, tu essuies seulement sur le pansement. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam.